tous, c'est Élise Legroux. Aujourd'hui, on est au Havre et c'est moi qui présente l'émission. Tout à l'heure, on ira retrouver Santana Sahraoui pour une petite interview. Démarquez-moi le Mag, saison 3, épisode 17, c'est parti! Cette semaine, dans Démarquez-moi le Mag, Inside avec Soyo. L'interview de la défenseur du Havre, Santana Sahraoui, et le portrait de la gardienne de Bordeaux, Anna Morehouse. Le contexte, c'est quoi? Pour moi, aujourd'hui, c'est tu défends, tu fermes, tu piques. On a cherché à jouer, il y a des fois des séquences intéressantes, et on a payé. Et bien aujourd'hui, soyons moches, soyons très moches, c'est pas grave. Mais prenons des points. Et si c'est un, c'est un. Si c'est plus, c'est top. Elle marque pas. Elle ne marque pas. Mais je sais qu'on va le faire. Bon match à toutes. À tout à l'heure. Elles nous ont déjà battu deux fois 3-0 cette saison, mais on baissera pas les bras. Parce que voilà, ça fait partie aussi un peu de l'identité du club, donc on lâchera rien. Alice, il paraît que c'est ton anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire. Ça va porter chance. J'espère, on a besoin de tout, donc ce serait un beau cadeau d'anniversaire. On bat, et si on doit casser le match, on le casse, des fautes, on prend le temps sur les touches, on souffle, 6 mètres, tout. Il n'y a pas de doute, vous savez faire, ne vous mettez pas la pression, libérez, jouez comme vous savez, comme vous le méritez. Allez, redescendez. Si vous baissez d'un seul point votre attention, votre niveau d'investissement, ça peut nous coûter cher. Je sais que la pression est importante, les filles. Je sais que vous avez envie que vous mettez un niveau de pression. Mais il y a quelques ballons qu'on pourrait se dire, vous savez jouer. Vous savez jouer. Ce qui va être dur, c'est nerveusement. Parce que vous êtes dans une logique d'attention en permanence. Je pense qu'on doit un tout petit peu mieux faire. Par contre, le projet reste le même. Il ne bouge pas d'une virgule. Ne baissez rien. Restez sereine. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je prie. C'est fini, là. C'est grâce à vous. Même pas de plus vers le maintien. Honnêtement, je pense qu'on a eu plus d'occasions franches qu'elle. On a quand même pris un point et franchement, c'est un point important pour la suite de la saison. Donc on va continuer à travailler et on va aller en chercher d'autres. Vous avez le droit d'apprécier ce que vous avez fait. Bien sûr qu'on aurait aimé marquer ce but, mais globalement, vous avez fait un match abouti. Celui-là, ce match, avec ce qui se passe depuis un petit moment dans nos têtes, il nous fait du bien. Il n'y a pas de petits points. Et si on doit grappiller, on va grappiller. Mais quand vous avez une réponse comme ça sur le terrain, moi, ça me plaît. Merci à vous. Et bon anniversaire, Alice! Yeah.
Aujourd'hui, nous avons de la chance, nous avons la plus drôle du vestiaire du hack. J'ai nommé Santana Sahraoui. Coucou Elise. Coucou. Ça va? Ça a été la séance ce matin? Ouais, ça a été, ça a été. Bon alors, raconte-nous un peu ton parcours, comment t'es arrivée jusqu'ici? J'ai été formée au PSG où j'ai joué 4 ans, ensuite je suis partie à Albi en D1. J'ai fait 2 saisons en D2 et là, je suis arrivée au Havre cet été. Et ça va, ça te plaît, le Havre, le club, la ville, tout ça? Ouais, franchement, c'est super cool. L'été, on pouvait alterner entre la plage et les séances, donc c'était cool. Genre, t'es à la plage, toi? Bah ouais, faut bien bronzer. Faut regarder le soleil. Si tu devais me donner une qualité, un défaut dans ton jeu? Un défaut, je dirais mon jeu aérien, parce que c'est vrai que je suis pas grande. Et si les filles, elles aiment bien me le rappeler. Qui te dit ça? Je vais aller la voir, moi. Bah, la plupart des filles, t'en fais partie, je te signale. Et une qualité, je dirais que je suis une joueuse assez puissante. Ok, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. On n'a pas beaucoup de points, hein, c'est vrai, je crois qu'on a 5 points. Mais comment tu vis la saison? Tu crois encore? Tu penses qu'on va se maintenir vraiment au fond de toi, hein? Moi, je pars du principe qu'il faut toujours être optimiste dans la vie. Mm-hmm. Et que si nous, on n'y croit pas, il n'y a personne qui va y croire à notre place. C'est vrai. Donc, il nous reste des matchs et il faut aller les chercher. C'est un challenge et je pense qu'on est toutes prêtes à le relever. Moi aussi, j'y crois. Toi aussi, t'y crois? Si toi et moi, on y croit déjà. C'est déjà un bon point. Si tu devais te donner un défaut, une qualité, qu'est-ce que ce serait? Je suis assez rancunière. C'est un sale défaut, j'avoue. Et sinon, une qualité, je dirais, généreuse. C'est vrai. Souvent, j'arrive dans le vestiaire, j'ai un petit bout de tarte aux pommes, une petite madeleine et tout ça. Ça, j'aime beaucoup parce qu'il faut le dire, t'es une bonne cuisinière aussi. Hein. Ouais, merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Si tu devais nous dire un peu des potins dans le vestiaire, qu'est-ce que tu nous dirais? Des potins, ouais. Bon, si tu veux une petite anecdote, depuis le début de l'année, je suis la DJ du vestiaire et je crois que je vais renoncer à ce job parce que c'est trop compliqué. Entre les Islandaises, les Russes, les Chiliennes, les Américaines, les Haïtiennes, moi, je sais plus où donner de la tête. Bon, allez, je t'ai assez embêtée pour aujourd'hui. Pose-moi une petite question, mais une question mignonne, hein, pas Ok, difficile. C'est bon, je vais être cool avec toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton petit péché mignon de cet été qui faisait que je sortais tous les jours avec toi? Non, moi, j'adore, c'est les croustillons de la foire. Et t'en mangeais combien? 2 12 ou 24? Non. Quand on a eu une grosse séance, on allait en chercher, c'est vrai, mais j'en mangeais pas plus de 5. Bah, tu mangeais tout le paquet à toi toute seule, hein, parce que moi, j'en mangeais jamais. Bon alors, comment tu m'as trouvée en journaliste? Franchement, t'étais top. T'as pas été trop embêtante et tu devrais y penser pour ta reconversion professionnelle. Ouais, je vais y penser. Hein. Ouais. Bon, sinon, ça nous a fait super plaisir de partager ce moment avec vous. On se retrouve vite sur les terrains. Salut! Good morning. Ready for the training? Yes, we're just gonna go in the gym before training and do some lifting. So yeah, it's gonna be fun. I'm English. I used to play for West Ham. I just arrived at Bordeaux. It's going good. Everyone's happy. I'm happy. We're doing good in the league. We have one big goal to get Champions League and we're gonna do it. I'm Anna Morehouse and I'm the goalkeeper for Girondins de Bordeaux. Je parle pas français. Quand tu arrives, tu dis « wesh ma gueule ». Oui, wesh ma gueule. Voilà. Wesh ma gueule. Wesh ma gueule. I didn't actually become a goalkeeper like fully until I was like 16. I just enjoyed it. I like throwing myself on the ground. It's kind of weird, but I like stopping people scoring. Like, it gives me like a little buzz, so kind of like a striker scoring a goal, like it's the same kind of feeling. So yeah, I just enjoy it. I'm very big, 186 centimeters. So physicality is one. I'm very big. I think that puts in a little bit of doubt in a striker's mind sometimes as well, because they have to try harder to beat me because I fill so much of the goal. I'm pretty good with my feet. I can play short, I can play long. I like to think that I bring calmness. Julie, go! So, Gomez! But I think I can be quite vocal at the same time. In a mix of English and French. She's a cool human being to be around, you know, and I enjoy, you know, messing with her and, you know, just being around her and her whole. She's very calm and she gives good instructions. When you make a play, you know you have that encouragement behind you to keep going forward. Elle fait 8 pieds, donc
quand tu tires dans la lucarne, il y a de fortes chances qu'elle mette son bras dessus. Donc, non, elle est super forte dans les airs. Elle est très imposante sur les centres, corners et tout ça. Elle a pas peur de sortir. Franchement, en tant que défenseuse, ça fait toujours du bien. So Anna, French lesson, right? Yep, French lesson now. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un jeu pour réviser. Allez, la première question, elle est super facile. Présente-toi. Je suis Anna et je suis une gardienne de but pour Girondins de Bordeaux. When I came here, I knew nothing. I knew bonjour, ça va. That's it. I'm here for 2 years, so hopefully I can speak a little bit more by the time I'm finished. Who's in first place? PSG. Who's in last place? Le Havre. What team has the most rain or gets rained on all the time? Guangguan? 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 Guangguan. He tied them up because the black one, he keeps escaping. Oh, she's got it tangled on her leg. The black one should like you now, Vanessa. I'm just getting back to like playing and enjoying to play again. I had a pretty bad season the season before at West Ham. I wasn't playing. I didn't really set myself like huge goals at the start of the season. We got like clean sheets, we won points off PSG, for example. Montpellier, like we got points in big games. It's been a good season so far. I'm so proud of where I've come from and where I am now. I'd love to be called into England. But yeah, just playing in the Champions League is a good like place to start in the future, but who knows. Dernier Kema Le Mag, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment avec vous. Je vous laisse avec la petite chanson qu'on a l'habitude d'écouter avec Santana en ce moment, Econ Rush. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve sur les terrains. Je vous laisse avec un petit son. Bah ouais, là ça va pas du coup. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt sur les terrains. Dernier Kema Le Mag, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Enfin, pas de vous voir, je vous vois pas. 1, 2, 3.